L'exercice de ce matin est d'une importance capitale, qu'il s'agisse d'une initiative inscrite dans le partenariat et des relations stratégiques qui lient la République du Canada et Haïti, dont l'engagement de longue date envers notre pays le positionne en tant qu'un des principaux partenaires bilatéraux. Je souligne également que la République d'Haïti est l'un des plus grands bénéficiaires de l'appui canadien dans les Amériques. Monsieur l'ambassadeur, le président de la République s'est maintes fois exprimé avec force sur la nécessité d'une nouvelle manière de coopérer. Au-delà des discours, c'est par cet acte que les partenaires techniques et financiers peuvent nous convaincre et que nos priorités sont réellement prises en compte. Cette cérémonie d'aujourd'hui est un signal positif et un pas dans ce sens. Ainsi, c'est avec beaucoup de plaisir et certainement avec un sentiment de satisfaction que je m'apprête à signer en présence du ministre de la Justice et de la Sécurité publique ce protocole d'entente d'un montant avoisinant les 12 350 000 $ canadiens, dont l'objectif est de renforcer les capacités institutionnelles et opérationnelles de la Police nationale d'Haïti, la PNH. La police ne symbolise pas seulement la force, mais également la justice, puisqu'elle est le plus souvent appelée à juger avant les juges. On comprend donc que les policières et policiers doivent être perçus et doivent être des femmes et des hommes de haute conscience. C'est dans cet esprit que le premier volet vise à veiller à l'intégrité du corps et lutter contre toutes les formes de corruption qui sévissent en son sein. Pour avoir une police professionnelle, il faut passer par le relèvement de l'institution et le relèvement entraîne la confiance de la population. Mesdames, Messieurs, le pays a consenti beaucoup de sacrifices pour la République, dispose d'une police à la hauteur de ses besoins. Depuis le processus d'entrée, la formation jusqu'à la carrière de ses candidats de policiers, c'est dans le but de préserver les acquis que le second volet du projet s'investira dans une meilleure valorisation des ressources humaines et matérielles de la PNH. Le projet entend ainsi contribuer à une gestion optimale des ressources humaines, conditions sine qua non pour disposer d'un corps de police motivé et professionnel. Les ressources du projet interviendront également dans la dimension logistique afin de faire le meilleur usage des équipements à travers un plan de gestion approprié. Un montant d'un million de dollars canadiens destiné au financement d'activités complémentaires à impact rapide est également prévu dans la seconde phase du projet.